Bonjour à tous, bienvenue, nouvelle vidéo, et on vous l'a dit lors de la présentation de notre précédente vidéo qui était la smartwatch G3 pardon, par numéro 1. Beaucoup de matériel arrivait et ben, un nouveau matériel, le Yumi VR Box 3. Keisako, le Yumi VR Box 3, bah VR pour Virtual Reality, donc la boîte à réalité virtuelle version 3. Eh bien écoutez, voilà, plutôt une belle boîte fournie par Yumi, hein, voilà, et voilà, elle est vide. Bon, rien de particulier, une petite lingette pour nettoyer les lentilles, on va vous présenter ça rapidement. Alors, on met la boîte ici et la doc qui est plutôt voilà claire. Alors je crois que elle est voilà multilingue. Donc ici en anglais, ensuite on a en allemand toujours, ici en italien, toujours italien et français. Voilà. Et donc vous avez une belle doc en français. Et donc bah, c'est classique, hein, les casques à réalité virtuelle, entre guillemets, hein, parce que réalité virtuelle, c'est un bien grand mot, mais c'est pour, en gros, hein, c'est uniquement pour des expériences 3D, bien entendu. Et réalité virtuelle, c'est un bien grand mot, puisque vous ne pouvez pas bouger dans cette réalité virtuelle. C'est juste quelque chose, voilà, qui vous vient à la figure en 3D. Et puis c'est tout. Mais c'est plutôt intéressant. Alors ce casque, nous, on l'a commandé sur la boutique Amazon de Yumi. Et il était en lancement promo à, je ne dis pas de bêtises, nous la team Synodroid, hein, c'est pas la boutique Synophonics qui l'a commandé pour nous le faire tester, c'est nous qui l'avons commandé pour s'amuser, voilà, avec, et puis 18 euros, hein, je crois, en lancement, prix lancement, nouveauté, donc c'est un prix super agressif et plutôt intéressant. Donc bon, on vous explique comment c'est foutu. C'est fait pour les smartphones de 4 à 6 pouces, vous le voyez ici. Donc au niveau des paramètres que vous retrouvez sur le casque, et bah, le casque que voilà, hein. Il est plutôt joli d'ailleurs, je trouve, hein. Voilà. Bon, ça reste classique, hein, dans les casques que on a l'habitude de voir aujourd'hui en provenance de Chine. Mais voilà, bon, celui-là, il a un look plutôt agréable. Alors, vous avez différents... Je vais retirer ce carton qui va m'embêter. Voilà, ça c'est fait. Alors, vous avez différents réglages. Et il vous explique bien que, par exemple, le 4 ici... Donc celui-ci, c'est la distance, voilà, ça c'est pour la distance interpupillaire, d'accord? Donc c'est bien pour régler correctement vos yeux, l'écart de vos yeux en fait, hein, de la pupille, pour pouvoir avoir une vision 3D correcte de ce que vous visualisez sur l'écran du smartphone, bien entendu. Ensuite, vous avez des boutons de réglage sur les côtés ici. Alors, ces boutons de réglage, que je dise pas de bêtises, c'est pour la distance focale. Donc, c'est vraiment pour vous, soit peut-être élargir l'écran que vous voyez, ou le réduire. Donc, il faut bien régler correctement à la fois la distance interpupillaire, ainsi que la distance de la focale. Donc, à la fois la distance en largeur, la distance en longueur derrière par rapport à votre écran de smartphone qui se trouve, bien entendu, derrière cette petite trappe. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Je crois qu'il peut être livré, et ça, pour l'instant, je ne l'ai pas vu sur leur site. Il peut être livré normalement avec, comment dire, une télécommande. Voilà.
Alors, qu'est-ce qu'ils disent d'autre? Veuillez utiliser. Alors, ah oui, avertissement. Veuillez utiliser des téléphones ayant la résolution la plus élevée possible pour regarder des films 3D ou jouer à des jeux 3D. Donc, pour jouer à des jeux 3D, bien entendu, il vous le faut une télécommande. Et aujourd'hui, la télécommande n'est pas disponible pour le moment. Voilà. Donc, ça, c'est fait. On a fait le tour de la dock. Alors, je vais vous montrer un peu donc la trappe, voilà. Vous voyez les lentilles qui sont bien au fond. Alors, lorsque vous placez un écran, alors je vais vous montrer toujours avec ce P9000, hein. J'ai récupéré par exemple cette chose, YouTube VR Box. Search in YouTube, unlock the free version. Bah pourtant, je l'ai utilisé déjà. Bon. D'accord, donc c'est 1 €, ok. Bon, bah pour l'instant, on va pas payer. Blablabla, toc toc. Alors. Bon. En fait, j'ai eu le droit de regarder un film et c'est tout, a priori. Donc vous voyez, il y a vraiment la ligne de séparation. OK? Donc ce que vous faites, c'est que vous mettez l'appareil de cette façon. Donc il y a bien une mousse qui protège ici, hein, il n'y a pas de problème. Et la ligne de séparation, vous la mettez bien sur la séparation qui est à l'intérieur entre les deux lentilles, bien entendu. Voilà. Vous fermez la bête et vous mettez le casque. Chose que je vais faire, et puis bah vous allez certainement rire, mais vous allez me voir un casque à réalité virtuelle. Voilà ce que donne ce casque à réalité virtuelle de chez Yumi. Alors, un seul petit point, c'est qu'ici, vous voyez un peu votre nez. Alors, je pense que c'est parce que voilà, ça appuie pas assez, c'est pas assez tiré sur les languettes ici. Donc, il y a un petit peu de jour là qui rentre, mais sinon, vous êtes complètement en immersion. Alors, il y a peut-être aussi un peu de jour ici. Alors, c'est peut-être ma tête qui est mal foutue, hein. Bref, bon, passons. Je crois qu'on a bien l'air un peu con avec, hein, il paraît. En tout cas, c'est ce que m'a dit ma fille. Mais l'immersion est vraiment impressionnante à l'intérieur. Donc, je le rappelle, hein, ici, que je le cherche, voilà, la distance pour les lentilles interpupillaires, d'accord? Et donc ça joue énormément, voilà. Ici, vous avez le réglage de la focale, ok? Donc proche, long, alors là, proche et plus loin. Voilà. Donc il faut bien les régler, vous avez un de chaque côté, hein, donc il faut bien les régler ensemble. Voilà. Et là, c'est nickel d'ailleurs. C'est très étonnant. C'est encore mieux comme ça. Et puis la distance interpupillaire qui est ici. Ouais, donc ça joue aussi énormément. Parce qu'après, c'est soit vous avez une double image, soit. Voilà. Voilà, là c'est nickel. Pour ma part, hein, par rapport à mon visage et mes yeux, il faut juste tirer un peu plus, que ça appuie un peu plus ici au niveau du caoutchouc qui épouse votre visage pour éviter que la lumière rentre sur les côtés. Eh bien, écoutez, voilà, j'essaye de retrouver le bouton de pause de la caméra. Alors voilà, vous m'avez vu avec le casque Yumi VRBox 3 sur le visage. Donc, il faut bien, comment dire, régler toutes les sangles, hein, à votre tête. Parce que sinon, comme je l'ai bien indiqué, il y a le jour donc qui passe au niveau du nez ici, le jour qui passe ici sur les côtés. Voilà. Alors, nous attendons un autre casque à réalité virtuelle parce que nous on a décidé d'en tester d'autres. Bon, c'est pas le prix que ça coûte qui va nous ruiner, mais un casque aussi de marque, le TV VR, je ne sais plus quoi, ou le VR, je crois que c'est le VR, voilà. Le VR, et on va tester et voir ce que ça donne. On verra ça. Et je pense que voilà, ça donne. Ça risque d'être intéressant, hein, n'est-ce pas? Des petites choses drôles.
à faire avec ces casques en termes de présentation. Parce que de cette façon, on a bien l'air ridicule. Et puis, bah, comme on ne voit pas mon visage, bah, ça ne me dérange pas. Le ridicule, en même temps, ne tue pas. Hein. Donc, voilà, c'est pas bien grave d'avoir l'air con avec un casque. Mais bon, je vous conseille de le faire la nuit, tout seul, dans votre lit, lorsque tout le monde dort. Comme ça, personne ne se moque de vous. Parce que c'est quand même un mouse au visage. Alors, même si l'Oculus Rift, effectivement, est aussi gros... en l'occurrence, c'est juste avec un téléphone dedans, mais bon, il est de très bonne qualité, les lentilles sont bien réglables, et les images sont très bonnes. Bon, en même temps, c'est, vous l'avez vu, hein, j'ai mis un P9000 dedans, il y a des petites applications donc VR qui sont disponibles sur le Play Store, et bien vous pouvez vous amuser avec du coup. Et donc voilà pour notre première présentation du Yumi VR Box 3. C'est la première présentation d'un casque à réalité virtuelle par la team Synodroid. Et puis bah écoutez, bah voilà, nous on vous souhaite une bonne continuation. S'il vous intéresse, bah moi je vous conseille d'aller voir. En l'occurrence, je ne sais pas s'il en vente sur la boutique Gearbest. Je vais regarder ça tout de suite parce que j'ai mon écran ouvert à côté. Et puis, ben, je vais vous dire s'il est disponible chez Gearbest. Alors, est-ce qu'il est disponible, Yumi VR? Le VR Box, alors il y a toutes les anciennes générations. Mais en même temps, non, il n'y a pas Yumi. Ils ont des sous-marques, en fait. Voilà, d'autres marques, des choses beaucoup plus simples. Mais ils n'ont pas Yumi. Mais en gros, quelque chose d'équivalent, voilà, vous le trouvez à 24 euros, 20 euros. Voilà, dans ces eaux-là. Donc, vous pouvez vous amuser avec ce genre de petites choses et puis voir le monde différemment à travers votre téléphone. Moi, je vous dis donc à la prochaine vidéo. Ah, il y a un cheveu qui s'est mis à l'intérieur. Voilà, donc hop. Après, vous avez des traces de doigts, donc il faut bien nettoyer les lentilles hein, pour que l'image soit propre. Il faut bien essuyer les lentilles régulièrement parce que la poussière se met assez facilement dessus. Et donc, on vous dit à bientôt en espérant un petit pouce en l'air, un pouce bleu. Un petit commentaire, nous dire ce que vous pensez de cette nouvelle vidéo. Et puis, n'hésitez pas à partager. Et puis, au nouveau, à vous abonner. On répète. Mais bon, voilà, nous, ça nous fait plaisir qu'il y ait des abonnés qui nous suivent. Eh bien, écoutez, moi, je vous dis à la prochaine. Et puis, la prochaine, c'est encore du Yumi. Allez, ciao. If you're feeling some way, then say that.